Bien, c'est bien, bravo. 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 C'est un geste chargé de symboles que Jean-Claude Landré, maire de Truy, opère cet après-midi. Depuis le 29 janvier 2010, Truy est jumelé avec Katokopia, commune de Chypre située en zone occupée par les Turcs. Une invasion qui a commencé dès 1974, un rassemblement réalisé dans un but bien précis. L'espoir pour les Katokopites de retrouver leur liberté de circuler, puisqu'ils sont en zone occupée. En zone occupée, ils sont chassés de leur pays, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas y retourner. Une ligne verte qui empêche les habitants de Katokopia de circuler librement, comme celle qui existait à quelques kilomètres de Truy pendant l'occupation allemande. Une question importante qui a rassemblé pour l'occasion une délégation de 40 Chypriotes, dont Cornelios Corneliou, ambassadeur de la République de Chypre en France. Selon lui, ce jumelage œuvre dans un sens politique. C'est très important pour un pays comme Chypre d'avoir le soutien d'une ville française. Et nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui. Cet soutien est très important, cette solidarité est très importante pour un pays comme Katokopia à cause de l'occupation turque. Aujourd'hui, les habitants de Katokopia doivent présenter un passeport pour passer la frontière de la zone occupée par les Turcs. Un geste qu'ils rechignent à faire. La délégation chypriote compte en tout cas sur ce jumelage pour améliorer leur situation.